Bienvenue sur la Caravane du Ciné. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première de notre nouvelle émission À nous le cinéma. Alors, c'est une nouvelle aventure qui démarre et si vous aimez le cinéma, bah, vous êtes au bon endroit. Alors, de quoi elle va traiter cette nouvelle émission? Particulièrement d'actualité, d'informations liées au monde du cinéma, mais également de chiffres, de box-office. On va aussi parler ensemble des dernières sorties, bien sûr, des nouvelles bandes-annonces. Et enfin, on va vous conseiller des films et des séries. Mais il y aura également une petite rubrique liée aux plateformes de streaming. En tout cas, vous allez découvrir plusieurs petites rubriques au fur et à mesure des émissions. On va prendre vraiment notre temps et notre rythme. Et laissez-moi vous présenter Fred, que vous connaissez tous sur la caverne, puisque c'est l'un de mes deux acolytes avec Victor. Fred a travaillé dans le monde du cinéma pendant plus de 15 ans, notamment chez Canal+, Gaumont, Warner. Il va vous expliquer tout cela bien mieux que moi. Salut Fred. Salut Steve, bonjour à tous. Bah écoute, je suis bien ravi d'être avec toi pour se lancer dans cette nouvelle aventure et qui me rappelle des souvenirs parce que ouais, effectivement, j'ai longtemps travaillé dans le cinéma, donc dans des grosses boîtes américaines comme Warner, dans des sociétés françaises comme Gaumont ou UGC ou Canal. Et mon boulot, en fait, c'était d'analyser les projets, d'analyser les scripts, d'analyser les parcours des acteurs qui étaient pressentis pour arriver à savoir si le film pouvait être rentable financièrement. Donc, autant te dire que je n'ai pas eu souvent raison, malheureusement. Malheureusement. Un truc pas facile, quoi, quand même. Carrément pas, non. Bon, avant de commencer cette émission, je vais vous donner le sommaire de cette émission, de cette première. Alors, on va parler de pourquoi Hollywood est en grève, Barbie versus Oppenheimer, le phénomène Barbenheimer. On va parler aussi de chiffres, de rentabilité d'un film, le budget, le box-office en France, le box-office mondial. On va revenir ensemble sur la carrière de Jane Birkin qui nous a malheureusement quitté le 16 juillet dernier. Les nouvelles bandes-annonces sorties au mois de juillet, un petit point sur le classement des meilleures séries et des films de streaming. Et nos recommandations, chacun de nous va donner une recommandation et on conseille un film en fin d'émission. Alors on va commencer sur pourquoi Hollywood est en grève. Fred, je te donne la parole. Alors, Hollywood. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement cette grève? Alors en fait, la grève qu'on a actuellement, la grève des acteurs, elle vient rejoindre une grève des scénaristes qui sont globalement tous inquiets avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les films parce qu'ils ont bien compris que si les studios, ils ont un moyen de produire du contenu sans devoir payer les idées, ils allaient s'y engouffrer. Donc, les scénaristes ont lancé le mouvement en disant « Vous êtes bien gentils, mais les scénarios à la ChatGPT, non, nous on n'en veut pas, on veut quand même préserver notre boulot. » Et côté acteurs, ils ont dit « Écoutez, si c'est pour ressusciter Steve McQueen ou John Wayne et puis oublier quand même pas mal de talents, on n'en veut pas. » Alors, moi, à titre perso, moi je soutiens la grève et je pense que ça interroge sur pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est vrai, c'est une très bonne chose. De toute façon, il faut noter que c'est une double grève historique quand même, qui est plus arrivée depuis 1960. Ça résulte aussi d'un défaut, d'un accord viable entre la SAG-AFTRA. Donc, on va préciser un petit peu pour les gens. La SAG-AFTRA, c'est le syndicat qui représente de la télévision et du cinéma. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a environ 160 000 acteurs quand même. Et la WGA, c'est le syndicat des scénaristes américains qui protège forcément leurs droits d'auteur. Face aux puissants, aux méchants, on va dire, l'AMPTP, l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, alors qui inclut les studios et les plateformes de streaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux syndicats, finalement, ils revendiquent une revalorisation des droits et des conditions de travail, une augmentation des salaires fixes et résiduels, notamment sur les contenus du streaming, des processus et du casting moins lourds et un encadrement de l'utilisation, justement, de l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, la MPTP a refusé toutes les demandes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains grands acteurs comme The Rock, notamment Dwayne Johnson, vous l'avez peut-être entendu récemment, il a fait un don. On ne sait pas exactement à quelle hauteur, mais je crois que c'est quand même 7 chiffres. Alors forcément, c'est un peu du marketing, de la communication, vu son cachet qu'il va toucher pour son dernier film. Je crois qu'on est à plus de 50 millions pour un film. Mais c'est vrai que les studios, en fait, quand même, ils refusent tout, quoi. Actuellement, ils refusent tout. J'ai même entendu qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est vrai, mais les studios Universal, ils ont coupé finalement ils ont taillé les arbres pour les grévistes parce qu'en fait, il fait chaud. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Non, j'avais pas entendu, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, franchement, et puis finalement, après, il y a
y a Bob Iger, quoi, le grand patron de Disney, quoi, qui finalement se met tout le monde à dos avec ses déclarations peut-être d'un autre temps, quoi. Tu sais, il raconte, qu'est-ce qu'il raconte? Ben, je crois que la dernière déclaration qu'il a dit, c'est on va attendre juste que finalement les scénaristes n'auront plus de quoi payer leur maison et nourrir leurs gosses, quoi. Écoute, c'est de la négo à l'américaine. Hein. Ouais, bien sûr, après... ouais, c'est brutal. On va dire que c'est brutal. C'est une grève brutale et je pense qu'elle va durer très longtemps, cette grève. Non, c'est possible. Effectivement, les premières victimes, en fait, ça va être les scénaristes. Mais bon, voilà, je rappelle aussi que les scénaristes, c'est quand même un boulot de chien. C'est des gens qui ne sont pas payés tant qu'ils n'ont pas produit leurs idées. Donc, pour soutenir la création, souvenez-vous que payer un film de quelque manière que ce soit, c'est aussi permettre à de la création de se faire, avoir des nouveaux contenus. Parce que là, comme c'est barré avec l'intelligence artificielle, soyez certains qu'on va bouffer du Marvel, qu'on va bouffer du Star Wars avec des histoires encore plus à la con, je pense, largement. C'est ça. Et je pense aussi que, pour dire un petit mot par rapport aux scénaristes, c'est que souvent, en fait, on entend qu'ils sont payés un peu en retard aussi. Et les studios, ils te disent, ah oui, mais c'est pour les garder dans le rythme. C'est vraiment pour... Bon, je trouve ça un peu... Il faut savoir quand même que les scénaristes sont quand même très, très mal payés. Je ne sais pas si les gens, ils en prennent conscience, mais les scénaristes en général, même de séries qui marchent bien, sont très, très mal payés. Ils sont souvent, en fait, à moins de 26 000 euros. Même des acteurs, hein. 95% des acteurs, quand même, faut savoir, ils sont à moins de 26 000 dollars dans l'année et que du coup, ils n'ont pas de couverture sociale. Non, mais c'est vraiment, enfin, on a toujours les 5% d'acteurs qui font rêver tout le monde et qui touchent des cachets pharaoniques, mais derrière, c'est des, entre guillemets, des ouvriers, enfin, c'est vraiment des travailleurs précaires, que ce soit les acteurs ou les scénaristes. Et la vie dans une... Dans une writer room pour une série ou pour un film, bah c'est pas facile, hein. Et franchement, faut en bouffer du scénar, faut en écrire des lignes pour arriver enfin à gagner sa vie avec ça. Et voilà, et je rappelle que c'est de la création, en fait, c'est vraiment la plus-value aujourd'hui que ces gens-là peuvent apporter et où ils peuvent nous apporter des histoires un peu différentes, un peu d'originalité, enfin des œuvres artistiques, quoi. C'est ce qu'on veut voir quand on va au ciné quand même. Après, en plus, pour l'instant, c'est à Hollywood cette grève, mais je pense que elle va impacter en fait tout le système à moyen terme et à long terme. Hein. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle se finisse si rapidement cette grève et à un moment donné, même les cinémas vont être impactés ou bien ceux-là qui vont faire à des plus petits métiers finalement, hein, ceux-là qui font le sous-titrage, ils vont être impactés aussi en France. Donc à suivre. Hein. Et il y a même le doublage. Le doublage est quand même déjà impacté en fait. Les doubleurs en France notamment sont super inquiets de l'utilisation des voix et puis de l'intelligence artificielle pour les doublages de films. D'ailleurs, à noter, je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a plein de films qui ont déjà été reportés à l'année 2024. Je ne sais même pas si Dune 2 va sortir en fin d'année. Je sais que le nouveau Ghostbusters, c'est déjà reprogrammé pour mars l'année prochaine. Donc, bon, voilà. Oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire la promo. Les acteurs refusent non seulement de tourner, mais également de faire la promo des films. C'est ça, ouais. Bon, du coup, on va passer au second sujet, hein, parce que la grève, on va sûrement en reparler hein, dans la prochaine émission. On va parler du phénomène Barbenheimer quand même. Hein. Un phénomène finalement qui a dépassé déjà le milliard de recettes hein, en cumulé. Je crois que c'est plus de 800 millions pour Barbie et plus de 300 millions déjà pour Oppenheimer. Donc c'est phénoménal. D'ailleurs, pour parler argent, hein, on va parler vite argent, mais l'action Mattel, elle a gagné plus de 19% sur un mois en portant la capitalisation boursière de la marque à près de 8,5 milliards de dollars. C'est énorme. Et la marque, elle a annoncé vouloir produire plusieurs suites à Barbie. Également des films dérivés ensuite de toutes leurs licences. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Donc, du coup, on va se manger Matchbox, les voitures Hot Wheels, Uno, Polly Pocket, les maîtres de l'univers, etc. On va en prendre. Hein. Film Big Jim. Ouais, sûrement. Hein. Donc, toi, tu as vu Barbie, on est d'accord. Donc, un petit mot sur le film Barbie. Je vais juste terminer, je vais te laisser la parole. Mais c'est vrai que. Ces deux films, finalement, ce phénomène Barbenheimer, c'est vraiment deux films que tout oppose, mais les deux ont gagné finalement dans cette grande publicité mondiale, parce que c'est vraiment rare que finalement, en été, on ait deux films qui marchent autant en même temps. Ouais, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Non. Je trouve que c'est un pur produit marketing. Le Barbenheimer, pour moi, ça veut rien dire. On a souvent eu des films, des gros blockbusters avec des petits films mais là je trouve que ça fait longtemps quand même en été qu'il n'y a pas deux films qui ont tellement marché alors qu'ils sont tellement opposés l'un à l'autre
À part avoir du super-héros et du Marvel. Ouais, non, là, je suis d'accord avec toi que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu, je dirais, ce genre de succès-là à ce niveau-là. Enfin, quand je dis que ça fait un petit bout de temps, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé sur l'été 2019, mais on a dû Ouais. avoir ce genre de, ce genre de succès, ou même tout ce qui était avant, pré-Marvel, pré-DC Film, etc. On a eu des étés où il y avait plusieurs films qui marchaient. Et c'est justement comme ça que ça marche, le cinéma. C'est que le succès appelle le succès. C'est parce que tu as un film qui te plaît, que tu vas voir, ça va te donner envie d'aller en voir d'autres, et ça va driver le succès. Donc, Barbenheimer, ouais, c'est un nom qui est marrant, mais au fait, ça veut rien dire. Enfin, ça n'invente rien. C'est quelque chose qui existe depuis un petit bout de temps. Non, Ensuite. ça n'invente rien, je pense, tu as raison, mais est-ce que tu ne crois pas que du coup, vu qu'ils ont fait tellement de marketing sur les deux films en même temps, est-ce que tu ne crois pas que du coup, des gens vont voir un film et ensuite l'autre? Bah, écoute, je n'en suis pas certain. Enfin, je pense que les deux films visent quand même des cibles assez différentes. Je crois que Ouais, au départ, sur oui, au Barbie, départ. sur Barbie, le public féminin, il doit représenter, je ne sais pas, autour de 70-75%. Par contre, sur Oppenheimer, on est beaucoup sur un public qui est beaucoup plus masculin. Donc après, je pense qu'effectivement, la part va baisser, puis tu auras plus de mecs qui iront voir Barbie, et puis tu auras plus de femmes qui iront voir Oppenheimer. Voilà, on a une proposition de film. Ensuite, c'est deux bons films, et en plus, ce qui est intéressant, ce sont deux films qui sortent du modèle des franchises. Ouais. On voit un petit peu ce qui se passe sur les franchises historiques, Indiana Jones et Mission Impossible, mais voilà, c'est deux choses qui sortent des franchises et qui marchent super bien. Barbie, c'est une belle réussite. Franchement, l'idée, l'interprétation, la réalisation sont vraiment de haute facture. On est sur un film, alors, certes féministe, mais plutôt bien trouvé, plutôt drôle, bien tourné, où on passe vraiment un bon moment, homme ou femme, je précise, hein, c'est vraiment pour tout le monde et tout le monde y trouve son compte. Donc, et je tiens à saluer, j'en profite aussi pour le travail de Warner Bros. France pour la tagline du film que je trouve absolument génial, où on a Barbie, elle sait tout faire, et lui, c'est juste Ken. J'adore, franchement, je trouve ça super. C'est original, en effet. Ah ouais. Et du coup, toi, tu n'as pas vu Oppenheimer, c'est ça? Non, 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 qu'est-ce que t'en as pensé de Oppenheimer? Bah, justement, alors, ce qu'il faut déjà savoir, quand même, c'est qu'entre moi et Christopher Nolan, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, comme on dit, tu vois. Autant j'ai beaucoup aimé Inception ou Interstellar, autant j'ai pas du tout apprécié, finalement, Dunkerque ou Tenet. Je peux même dire que j'attendais même pas vraiment particulièrement son métrage, mais il faut quand même avouer que Christopher Nolan, c'est un cinéaste quand même qui propose toujours quelque chose de nouveau, tu vois, qui prend des risques. Qu'on soit fan ou qu'on soit pas fan. Alors pour moi, Oppenheimer, franchement, ça a été un film assez impactant et bouleversant. Un film, je pense, qui va rester dans les mémoires. Bon, alors, tout est grand, exagéré, fort. Bon, après, c'est normal, tu vois, on parle de la création de la bombe atomique quand même. Moi qui me plains souvent, finalement, que les films sont trop longs actuellement au cinéma, je trouve que c'est un problème, ça. Et celui-là, en plus, il fait 3 heures. Donc là, je vais me contredire pour une fois. Là, j'ai envie de vous dire quand même que les 3 heures, elles sont amplement justifiées et que le montage, il est excellent. Le film, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve quand même qu'il est assez brut et tu le prends finalement de plein fouet, quoi. Si tu es un minimum attentionné au film, quoi. Parce que je comprends les gens qui n'entrent pas dans le film et qui. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'action quand même, hein. Il faut quand même savoir en fait ce qu'on va voir. Parce que c'est un film avec beaucoup de dialogue et. Vraiment, il faut être attentif, il n'y a pas beaucoup d'action. Faut savoir. Mais je trouve que c'est finalement un film assez abouti, assez classe et finalement assez glaçant. En tout cas, moi, finalement, je ne peux que vous le conseiller. Même la musique, franchement, elle est très bonne. Les enjeux, le côté politique. On sent aussi que Christopher Nolan, il a essayé finalement de. Comment je vais dire ça? D'extraire, tu vois, le peu d'humanité en fait de tous les personnages qui ont vraiment un ego surdimensionné dans ce film. Et je trouve que vraiment, il s'en est bien sorti parce que finalement, au départ, c'est quand même pas évident quand même de traiter de sujet. Mais franchement, je dois avouer que c'est quand même un grand film et que il faut toujours aller se faire son propre avis, tu vois. Mais je trouve que c'est un super film quand même. Eh ben, il faudra que j'aille le voir, alors, impérativement. Ouais, Mais j'avoue franchement, qu'effectivement, le côté 3 heures, j'ai du mal, moi. Je suis pareil.
Les films trop longs. Alors honnêtement, moi aussi, c'est un problème. Les films trop longs, les films. Parce que forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'action. On parle beaucoup. Il y a beaucoup de séquences de procès, notamment, enfin, de choses comme ça. Mais ça peut. Ouais. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu es capté dans le film, rien qu'au bout d'une demi-heure, ben, vraiment, ça vaut le coup. Et les 3 heures, elles passent très, très vite, notamment les 2 premières heures qui passent très vite. Mmh. La dernière heure, peut-être un peu moins. Mais c'est du grand Christopher Nolan, quand même. D'accord. Et comme dit, c'est pas un fan de Christopher Nolan qui vous dit ça. Quoi. Vraiment, là, je ne suis pas en train de le défendre, mais je défends ce film. Quoi. Bon, ben, du coup, on va passer à la suite. Hein. On va passer notamment aux chiffres, hein, les box-office France. Alors, un petit bilan hein, sur le box-office français actuellement, justement, mais au bout de 2 semaines, on a Barbie quand même qui est en tête. On a Oppenheimer qui est en second, qui a dépassé finalement, ça c'est une surprise, Mission Impossible 7. On a le Manoir, on a les Dégains 4, on a Élémentaire en 5e position, le Manoir Hanté en 6e, on a Indiana Jones qui a reculé ben, en 7e position. Et on a Miraculous, un des seuls films français actuellement à l'affiche, ou alors il y a des plus petits comme La Main ou Les Algues Vertes. Mais vraiment, ce qui est marquant finalement quand même, c'est que Barbie et Oppenheimer est passé finalement devant Mission Impossible 7. Ça, je pense quand même que c'est une grande surprise de cet été. C'est clair. C'est clair que ça ne s'était pas attendu. Est-ce que toi, tu vois le box-office un peu mondial, peut-être? Ouais, bah j'ai les chiffres monde. Alors effectivement, Barbie, elle a fait un gros carton, elle est quasiment aux 800 millions de dollars de box-office. Je pense que d'ici la fin de semaine, elle va dépasser les Gardiens de la Galaxie, là, qui sont à 850 à peu près, pour être juste derrière Super Mario. Donc quand il pense, c'est quand même assez marrant de se dire que les deux plus gros succès de l'année, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo des années 80-90 et une histoire sur une poupée, pareil, de ces années-là, voire avant. Donc on est complètement dans la pop culture. Oppenheimer, c'est également un gros carton. On est à 400 millions de dollars. Là, il est en 11e position. Il va dépasser les John Wick, les Transformers, peut-être même le Mission Impossible qui est à 450 millions de dollars. Il laisse loin derrière Indiana Jones, qui n'est même pas à 360 millions de dollars. On va revenir sur ça. Hein. Je pense que Indiana Jones, même si moi, finalement, je l'ai défendu sur la chaîne et que je l'ai vu, ça, c'est un gros flop quand même. Ah bah clairement. Surtout que ce qui est marrant, c'est que Barbie, Oppenheimer, globalement, c'est le même budget. C'est grosse maille, 100 millions de dollars. Mmh. Et tu prends Mission Impossible ou Indiana Jones, on n'est pas loin des 300 millions de dollars de budget. Donc même si ça continue un petit peu à tirer des entrées, Mission Impossible, on est loin des standards. À 450, on est loin des précédents qui tournaient autour des 700 millions de dollars. Donc on a deux déceptions, quand même, deux belles déceptions. Indiana Jones, grosse déception. Mission Impossible, voilà, petite déception. Je pense quand même que Indiana Jones, c'était éventuellement plus attendu que Mission Impossible. Mais quand même, ce que tu dois rappeler aussi aux spectateurs, hein, aux gens, c'est que les gens, des fois, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on dit qu'un budget d'un film, c'est 350 millions, et qu'en fait, on vous dit qu'il a fait 350 millions de recettes, le film n'est pas rentable. Parce qu'il faut quand même toujours rajouter aussi le budget de la promotion, hein, qui n'est pas compté dans ce budget-là. Dans les 350 millions, vous n'avez pas le budget marketing du film. Mettez-vous ça bien en tête. Ce n'est pas la globalité. Il faut toujours 100 ou 200 millions. Ça veut dire que pour un film qui soit vraiment rentable, comme par exemple Indiana Jones, vous devez au moins obtenir 600 millions pour qu'il soit rentable. Alors, en fait, c'est même plus que ça, parce que le box-office qu'on voit là, il faut savoir qu'il y a seulement 50% de la recette qui remonte aux distributeurs, producteurs. Aux États-Unis, c'est un peu particulier. Donc, grosse maille, ça veut dire qu'un film américain, il est rentabilisé quand il fait 3 fois le budget. Donc, globalement, que ce soit Indiana Jones ou Mission Impossible, pour être rentable, il fallait qu'il tape pas loin du milliard de dollars. Donc, autant dire que c'est pas tous les matins. Quoi. On va dire au moins 800 à 900, quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis, honnêtement, ils étaient quand même calibrés plutôt pour ce genre de choses. Enfin, peut-être pas Indiana Jones, mais clairement Mission Impossible. Tandis que Barbie et Oppenheimer, voilà, ça va dégager un fric de dingue. Là, Universal
Et Barbie et Warner, ils vont se frotter les mains. Là, tu parlais des actions Mattel, je pense que l'action, ouais, mais je pense que l'action de Warner et l'action d'Universal, ça va être, ça va bien dépoter, quoi. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter du coup un petit mot sur le cinéma français, je crois? Ouais, ouais, bah en fait, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'on remarque que le cinéma français aujourd'hui, il est quand même assez absent des débats. Il y a pas gros blockbuster, on est d'accord. Ouais, ouais, non, mais je parle même pendant l'été, en fait, si tu veux, pendant l'été, là, oui, pendant l'été, c'est vrai. Il se passe pas grand-chose. Et par contre, je suis quand même... Enfin, c'est amusant parce que ça fait aussi un lien avec ce qui se passe avec des films comme Super Mario ou Barbie, ou même Spider-Man Across the Spider-Verse, là, qui est aussi un gros succès aux États-Unis et en France, avec là, ils sont à 700 millions de dollars box-office. Mais tu te dis qu'un des gros succès, là, des derniers gros succès du cinéma français, c'était Miraculous. C'était un dessin animé. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un truc qui a le vent en poupe, c'est des films un peu... Films d'animation, quoi. Ouais, d'animation, plutôt orienté jeune, un peu sans souci. Alors, ça fait un gros contrepoint avec Oppenheimer, qui n'est quand même pas tout à fait le genre de film où on est... Voilà, on voit la vie en rose. Mais voilà, il y a un truc à ce niveau-là qui se passe. Et je suis étonné qu'au niveau du cinéma français, on n'a même pas de petits films qui cartonnent, enfin, les fameux skippers qu'on peut avoir pendant l'été. On n'a rien et c'est... Ouais, c'est un peu dommage. Donc je me demande ce qui va se passer à la rentrée. J'espère qu'on arrivera à avoir quelques bons films français et quelques succès surtout. Enfin, c'est pas parce que le succès n'est pas là que le film n'est pas bon, bien évidemment, mais ça serait bien. Bien sûr. Un peu de succès. Je vais te rejoindre sur ça parce que c'est juste pour dire un petit mot. Hein, en fait, il ne faut pas toujours aller au cinéma que pour voir des gros films et des blockbusters, et des marques, des licences. Je pense qu'il faut laisser aussi un peu la chance, vraiment, comme le dit Fred, à des plus petits films qui, eux, finalement, proposent peut-être de l'originalité, là où on n'en trouve plus, ou de la créativité, qu'on ne trouve plus dans les gros blockbusters. Des fois, je pense qu'il faut tenter autre chose. Et en fait, je voulais vous rappeler que certains films français qui sont sortis depuis quelques années, qui sont passés finalement un peu à part, finalement, Astérix ou Alibi.com 2, où on en parle plus, mais récemment, par exemple, il y avait Jeanne Dubarry, l'année dernière, il y avait, je crois, comment ça s'appelle, le Bac Nord, Novembre, enfin, La Nuit du 12, des films comme ça, vous voyez, Compromat, Revoir Paris, Boîte Noire aussi avec Pierre Ninet, Les Olympiades, Vortex, Simone. Il y a pas mal de films français quand même qui finalement font pas trop de buzz, et qui sont pas finalement considérés comme des gros blockbusters et des films populaires, mais qui quand même sont très bons. Alors, allez voir un peu tous ces petits films... parce que ça va faire du bien aussi, parce que le cinéma français, finalement, populaire, ne marche pas très bien, mais en dessous, ça marche bien, franchement. Ouais, on a une grosse... Enfin, on a des premiers films, des films de moyen budget qui fonctionnent très bien, en plus, avec Et on a la chance d'avoir des bons acteurs, en plus. Donc, je trouve qu'il y a une montée en gamme sur aujourd'hui, sur les scénaristes, sur la façon de raconter des histoires. Donc, il ne faut pas bouder son plaisir, il faut donner sa chance au produit. On est d'accord. On va revenir un peu sur une nouvelle un peu moins bonne. C'est Jane Birkin, hein, finalement, qui nous a quittés le 16 juillet dernier, à l'âge de 76 ans. Alors, Jane Birkin, quand même, il faut savoir que c'était une chanteuse, une actrice, une scénariste, même une réalisatrice. Hein, on la connaît finalement beaucoup pour sa longue et sulfureuse carrière, enfin, relation avec Serge Gainsbourg. Mais Jane Birkin, c'est surtout, personnellement, pour moi... un accent, une tendresse et finalement un talent fou. Parce qu'elle a quand même tourné dans 65 films et puis elle a connu 3 nominations au César, hein, en 85, en 87 et en 92. Et si personnellement, je dois retenir, moi, un ou deux films avec elle, forcément, ce sera avec des films qu'elle a tournés avec Claude Zidi, que ce soit La Moutarde à Montdonné ou La Course à l'échalote, où elle fait des duos avec Pierre Richard. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Fred, de Jane Birkin? Moi, Jane Birkin, le grand souvenir que j'ai de Jane Birkin, c'est la piscine de Jacques Deray avec Delon et Romy Schneider. C'était un de ses premiers rôles et elle dégageait une espèce d'innocence et de tendresse. Et puis, elle avait ce regard bleu, enfin clair, comme la mer, en fait, qui était absolument, absolument magnifique. Et je retiens également, elle a joué dans deux épisodes de Hercule Poirot, donc les films qui étaient avec Peter Ustinov, Mort sur le Nil et Meurtre au Soleil, voilà, qui était pas mal. Mais elle a eu une belle carrière, assez riche et très variée, mine de rien, parce que les comédies, elle a joué aussi avec pas mal de réalisateurs de la Nouvelle Vague.
Et puis voilà, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement attachant, comme tu l'as si bien dit. Hein. On va revenir sur les bandes annonces, parce qu'il y en a eu pas mal finalement qui sont sorties au mois de juillet. Et on en a sélectionné avec Fred, on en a sélectionné 4 finalement. Alors, Dune, deuxième partie, un film de science-fiction hein, américain réalisé par Denis Villeneuve, dont la sortie, logiquement, elle est prévue le 1er novembre 2023 pour l'instant. Mais je ne suis pas sûr que finalement, elle va sortir en novembre. Hein. Si ça se trouve, ça va être reporté en début d'année, en 2024. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu l'attends, ce film, ou sans plus ? Ouais, alors, oui, enfin, si je l'attends, effectivement. Sans plus, ouais, alors c'était bien fait, j'ai trouvé ça un petit peu lent. Bon, les acteurs étaient top, mais j'ai trouvé ça un petit peu lent. Enfin, c'était très belles images, mais bon, ouais. Enfin, je suis pas un grand fan de Dune, de ces histoires-là. Est-ce que tu as aimé le Dune de David Lynch ? Je n'ai pas détesté, mais encore une fois, c'est pas forcément ma cam. Bon, mais je pense que j'irai le voir parce que il y a quand même il a un beau talent. Je l'aime bien comme réalisateur. Je le trouve un peu trop à se regarder filmer parfois, un peu trop dans la contemplation et pas toujours dans le rythme. J'ai pas du tout aimé son Blade Runner, par exemple. Mmh. Ouais. C'est souvent ce qu'ils ont reproché à Denis Villeneuve en effet. Mais bon, voilà, les acteurs sont bien. Après, moi, je trouve que par rapport au premier, la bande-annonce du 2, elle est quand même un peu. Je trouve qu'elle est un peu meilleure. Enfin, moi, elle me hype un petit peu plus. Ouais. Et par contre, le casting, il est super quand même. Je veux dire, quand on voit le casting, franchement, ouais, là, ça donne envie. On a hâte de voir les vers qui sortent du sable, là. Ils disent ça pendant la bande-annonce. Et puis surtout, on va voir Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Ouais. Ah, une deuxième bande-annonce, hein, Mystère à Venise. Alors ça, c'est un film réalisé par Kenneth Branagh, dont la sortie est prévue en septembre 2023. Donc, il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman de La Fête du Potiron d'Agatha Christie. Alors, est-ce que toi, tu as vu Le Crime de l'Orient Express en 2017 et Mort sur le Nil en 2022? Ouais, j'ai vu les deux. Alors, c'est pas mal. Enfin, surtout que ce qui est sympa, c'est d'avoir cette galerie d'acteurs. En fait, ça reprend ce qui avait été fait initialement sur les premières versions du Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Bon, moi, ce qui est un peu dommage dans ces films-là, c'est l'utilisation des CGI. Enfin, c'est la reconstitution historique, il y a zéro, c'est purement du fond vert. Donc c'est un peu dommage, c'est encore un peu de l'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle pour les films, mais on perd largement un peu en authenticité, en ambiance. Donc bon, je pense que ça va être de bonne facture, quoi, mais ça va pas être exceptionnel, je en doute. Non, est-ce que tu préfères Kenneth Branagh en tant que réalisateur ou finalement en tant qu'acteur ? Ben moi je l'aime. Alors tu vois, moi je l'aime bien comme acteur. Je trouve que c'est un réalisateur correct, mais je l'aime bien comme acteur. Et oui, tout à l'heure, tu parlais de Tenet que tu n'avais pas aimé. Bah, franchement, je l'ai trouvé excellent dans ce film. Dans Tenet, j'ai trouvé très, très bon. Donc, toi, tu es un fan de Tenet, toi ? Moi, j'ai beaucoup aimé Tenet. Enfin, j'ai trouvé ça brillant, ouais, hein. Tenet. Ce qu'il a réussi à faire Nolan sur le temps, la façon dont il compresse le temps, il l'étend, etc., j'ai trouvé ça génial. J'ai jamais réussi à rentrer dedans moi, dans ce film. C'est compliqué, ouais. Mais je pense que c'est un peu comme Oppenheimer, tu vois. Là, les gens, ils ont entendu recenser le film avant, et si ça se trouve, ils vont au cinéma demain, ils vont dire, attends. Mais carrément. C'est ça le cinéma, en fait. Hein. Ben oui. C'est pour tous les goûts. Hein. Heureusement. Troisième BO, Napoléon, donc, un film britannique réalisé par Ridley Scott, dont la sortie est prévue en novembre 2023, avant d'être diffusée finalement par Apple TV+, à une date ultérieure. Donc, il s'agit forcément d'un film biographique sur la vie de Napoléon. Et le personnage principal est incarné par Joaquin Phoenix. Tu t'attends de ce film et est-ce que tu es hypé un peu ou pas ? Eh ben écoute, moi dans les frères Scott, j'ai toujours préféré Tony. Donc voilà, malheureusement Tony fait beaucoup moins de films ces derniers temps, forcément. Et Ridley Scott, il a un peu les mêmes défauts que Villeneuve. Il est vachement dans le visuel et je trouve que ses histoires parfois sont un peu légères. La bande-annonce est pas mal. Je pense que Joaquin Phoenix, il va encore faire une super interprétation du personnage. On a également Vanessa Kirby. Ben ouais, et que j'ai pas reconnu en fait en Joséphine de Beauharnais. Ouais. Je l'ai pas reconnu Vanessa Kirby sur la bande-annonce. Je trouve marrant quand même que ce soit un Anglais qui fasse un film sur Napoléon. Donc je pense que voilà. Ce sera pas forcément très positif pour le personnage, mais on verra ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense pas que
on aura une belle représentation de Napoléon. C'est clair. Je pense que les gros fans de Napoléon ne vont peut-être pas trouver leur compte dans ce film. Hein. Je pense pas. Hein. Non, c'est possible. Ouais. Puis avec Ridley Scott, on ne sait jamais. Ça peut être bien comme ça peut être très mauvais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour le dernier film, finalement, on a choisi Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui va sortir aussi en 2023. Alors là, il s'agit de l'adaptation d'un ouvrage de David Graham, publié en 2017, qui revient sur les meurtres des Indiens Osages. Alors, un film avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui sera diffusé en salle, je crois, en octobre 2023, et puis ensuite une diffusion mondiale sur Apple TV+. Est-ce que tu attends ce film? Ah bah, des quatre, ouais, c'est celui que j'attends le plus. Alors, malheureusement... Ouais, bah, je pense que toi aussi, non? Ouais, je suis fan de Martin Scorsese et franchement, voir en duo Robert De Niro et DiCaprio, c'est du cinéma, quoi, hein, c'est du haut niveau. Et DiCaprio, ouais. C'est un de mes acteurs préférés, donc forcément. Ouais. Mais je crois qu'il fait pas loin de 4 heures le film, non? Il est super long. C'est ce que j'allais quand même dire, parce qu'on parlait de la longueur des films avant, qui m'exaspère un petit peu. C'est vrai que c'est un film très très long, hein. Je crois qu'il est au-delà des 3 heures. Alors, je ne sais pas si c'est 4 heures, je ne vais pas raconter n'importe quoi, mais je crois 3h30 sur. Il va falloir être bien dedans, quoi. Ah ouais, plutôt, ouais. Puis il ne faut pas trop boire avant, sinon tu as envie de pisser. Donc, c'est ça. Mais ouais, mais franchement, ouais, c'est l'un des films que j'attends le plus quand même de cette fin d'année, clairement. Ouais. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de bandes annonces. Hein. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hein, vos bandes annonces que vraiment vous attendez, les films que vous attendez. Il y en a eu énormément en juillet. On en sélectionnera toujours 4 ou 5 et on fera le point sur les films que nous, on attend le plus. Alors maintenant, je vais revenir avec vous sur les plateformes. Donc, je vais donner un petit point sur le classement finalement des plateformes de streaming pour ce mois de juillet. Alors, en top 5 finalement des films, on a le film d'animation Nimona. Je ne sais pas si tu l'as vu, Fred, ou pas. Non. Non. Alors, on a également Cash, une comédie française. On a Bird Box Barcelone, un film d'horreur espagnol qui... sorti sur Netflix. On a Tout le monde aime Jeanne sur Canal+, et on a une comédie, ça c'est une comédie dramatique franco-portugaise, et on a également Une zone à défendre qui est sortie sur Disney+. Alors, je ne sais pas si tu as vu un de ces 5 films. Si, j'ai vu Une zone à défendre. Ben, moi aussi. Ouais. J'aimerais bien le défendre, le film, tu vois, moi. Parce qu'en fait, c'est un drame romantique français écrit et réalisé quand même par Romain Cogitoré qui vient d'Alsace, tout comme moi. Et ce film est sorti en 2023, donc récemment. C'est le premier film, à noter que c'est le premier film original français de Disney+. Est-ce que tu veux en dire un mot sur ce film? Est-ce que déjà tu l'as apprécié ou quoi? Ouais, j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé l'histoire pas mal, parfois un peu téléphonée, mais les acteurs très très bons. Ce que je trouve assez amusant, c'est que ce soit Disney+ qui produise un film sur une ZAD. Ouais. Ouais, d'accord. Je pense que le jour où tu as des zadistes qui vont envahir Disneyland, ce sera pas tout à fait la même histoire. Mais ouais, franchement, c'était une bonne surprise et j'aime beaucoup François Civil et l'actrice dont je n'arrive jamais à me souvenir le nom, qui jouait également avec François Civil dans Les Trois Mousquetaires, qui jouait également dans Novembre. Voilà, donc pour moi, c'est une belle petite surprise et j'ai passé un bon moment avec ce film. Dans le top 5, finalement, des séries, on va retrouver Silo, une série américaine de science-fiction, The Crown Red Room, une série américaine dans le genre un peu thriller psychologique sur Apple TV+, une plateforme un peu sous-estimée à mon goût. 1985, tu as un thriller politique belge, te ressort série américaine de comédie noire avec un peu de mystère sur Canal+. Et enfin, la série un peu polémique, The Idol, série dramatique avec Lily Rose Depp qui a fait beaucoup de bruit, hein, qui est sortie sur Prime Video. Alors je ne sais pas si tu as vu une de ces séries. Non, j'ai rien vu de tout ça. On va finir avec une recommandation de la semaine. Alors Fred, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors moi, je vais aller contre le courant et tout ce que vous avez pu lire un peu sur les réseaux. Je vous recommande de jeter un œil à Secret Invasion, donc la dernière série Marvel là, qui se fait un peu détruire par la critique. Alors je ne vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que ça ne l'est pas, mais c'est une tentative de Marvel de faire un petit pas de côté sur les pures séries de super-héros, en fait, en essayant de faire un truc un peu plus noir, un peu plus espionnage, un peu plus paranoïaque. Alors, en termes de qualité, on est très loin de
de trucs comme Vendavision, là, qui étaient super originaux et très bien fichus. Là, on est un peu plus sur une série thriller. On est en 6 ou 7 épisodes. Alors, à chaque fois, on a 10 minutes de générique et puis 10 minutes de récap de l'épisode précédent. Donc, globalement, bout à bout, vous avez tout vu en 3 heures. Mais voilà, c'est plutôt une bonne surprise dans l'univers Marvel. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas forcément très compliqué, mais parfois, ça fait du bien. Et puis, c'est Samuel Jackson, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Ben, super. Moi, ce que je vais vous recommander, en fait, c'est la série... Silo, donc diffusé sur la plateforme Apple TV+. Comme vous le savez peut-être déjà, moi je suis pas trop un grand fan des séries et je regarde beaucoup plus de films. Donc ouais, mais par contre j'ai accroché très vite. C'est une série alors de SF post-apocalyptique en 10 épisodes qui retrace finalement l'histoire de survivants humains dans un monde apocalyptique qui se plante sous terre. Je sais pas si tu en as entendu parler, Fred. Ouais, j'ai très envie de la voir, celle-là, c'est la prochaine sur mes planètes. Ils se plantent sous terre, les gens, dans un silo géant de plus de 140 étages, une sorte d'immeuble souterrain avec ses propres règles, composé dans une ville géante. Finalement, les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ni combien de temps, ni qui a construit ce silo, et ils ne peuvent pas sortir finalement dehors parce que l'air est devenu toxique. Et donc, moi, je trouve que c'est une série vraiment très mystérieuse, très intrigante, qui évoque finalement le complotisme, le totalitarisme, pardon. Et c'est une série finalement qui est très vite addictive. Puis après, j'aime beaucoup l'ambiance finalement, et puis les acteurs, il y a Rebecca Ferguson notamment, nouveau, tu vois, qui est vraiment charismatique à souhait. Après, le seul petit bémol, c'est éventuellement le rythme. On a toujours envie que ça s'accélère plus, et on a envie d'avoir des réponses beaucoup plus vite. C'est ça, en fait, parce que en fait, c'est une série qui, finalement, questionne plus que ce qu'elle donne comme réponse, tu vois. D'accord. C'est ça, en fait. Et je vais terminer, en fait, parce qu'en fait, je vais tricher. Parce que vu que c'est la première émission, je ne pouvais pas, en fait, rester avec juste une recommandation. Mais c'est la seule fois. Je vais vous conseiller, finalement, un film documentaire qui est sorti déjà en mai, donc aussi sur la plateforme Apple TV+. Ça s'appelle « Le style, la vie de Michael J. Fox ». C'est un film documentaire vraiment incroyable. Ça m'a beaucoup ému. C'est vraiment une belle leçon de vie qui m'a marqué. C'est une vraie pépite. Et je trouve que c'est plus un film finalement qu'un documentaire, tellement la forme, elle est magistrale, quoi. C'est une vraie reconstitution avec des images d'archives, une doublure qui imite parfaitement l'acteur. Un décor vraiment superbe qui colle parfaitement en fait avec la voix off de Michael J. Fox, et tout se mélange parfaitement. Je sais pas si tu l'as vu, Fred. Non, j'ai pas vu, mais ça fait envie. Mais en fait, qu'on soit fan ou pas de la carrière de Michael J. Fox, vraiment je recommande, quoi, parce qu'on passe par un tas d'émotions. C'est vraiment c'est formidable, quoi, je veux dire, vraiment. Donc ouais, voilà, en tout cas, bon, bah c'est la fin de cette première, hein. Merci vraiment à vous, en fait, d'avoir participé à cette première. Carrément. Ça t'a plu, Fred? Carrément, c'était top. Première d'Anou le cinéma. Ouais. Là, pour l'instant, on prend encore nos marques au fur et à mesure. L'émission, c'est la première. On va trouver sûrement un rythme de croisière. Et vous aussi, n'hésitez pas à vous donner votre avis sur des bandes annonces, sur des films que vous, des séries que vous nous recommandez. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle critique, une nouvelle rétro ou une émission sur la caverne du ciné. Et alors, portez-vous bien et à bientôt. Salut les gars, salut les amis. Ciao, Steve.